Si toi aussi tu veux aider un jeune footeux à devenir un grand footballeur, alors abonne-toi à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. On se blasonne, frappé du lion, tes côtés toujours nous chantent. Nous éteignons, jamais vaincus, j'en désordre. C'est bon, on peut y aller ? Alors moi, si j'étais vous, je penserais deux choses. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, et la deuxième, c'est qu'il faut s'abonner à sa chaîne. Voilà. Palais Bliberec, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures du QSG, puis on va parler un peu du projet pendant ce confinement. Il y aura des vidéos jeudi, le jeudi, le mercredi, le vendredi, pardon, et le dimanche. Vous verrez ça tout de suite au fil du temps, voilà, vous avez vu une petite intro, j'aide un jeune à, pourquoi pas, dans son rêve de devenir footballeur un jour. Donc n'hésitez pas à aller s'abonner à sa chaîne, voilà, ça lui ferait grand plaisir. Et puis voilà, je vous laisse voir la conférence de presse télé de match face à Neuchâtel pour le QSG, et on se retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Quelques instants, c'est parti. Il y a aussi Gianluca titulaire et aussi Youssouf Kone. On fait confiance au jeune Memphis, le capitaine, avec Gianluca. Memphis qui va trouver Moussa Dembélé, Moussa Gaul qui est passé, Moussa Gaul dans la surface, Moussa Gaul, le poteau, Marcos Asensio, et s'est dégagé. Lopez, il s'interpose et qui dégage. Moussa Dembélé, Memphis qui est passé, Memphis qui va retrouver Moussa Dembélé, Dembélé qui va peut-être le retrouver, oui, il l'a retrouvé, j'avais anticipé, le centre de Memphis, vers Gianluca pour son premier but en Coupe d'Europe, son premier but dans un match de Coupe d'Europe, n'importe quelle Coupe d'Europe, puisque c'est sa première saison en Europe, c'est signé Gianluca, 1-0 pour l'OL, 23e minute. Joachim Andersen qui reviendra dans 6 semaines. Donc on fait confiance aux jeunes côté lyonnais. Marcos Asensio, Memphis qui va retrouver Marcos Asensio pour le 3-0, peut-être ballon dégagé. Qu'est-ce que fout Jason Denayer ici? Gianluca Cacré qui va pouvoir frapper Maxence Cacré, la parade. C'est passé pour Memphis, pas de Serge Gnabry ce soir. Moussa Dembélé est préféré, enfin Memphis à gauche et Moussa Dembélé en pointe. La frappe de Touzer, ça fait 2-0 pour l'OL. Le break est fait, un petit temps de retard. Je finissais ma phrase. Neuchâtel, Xamax est en train de s'incliner, 2-0. Et l'OL se dirige tout droit et tranquillement vers les 8e de finale de la Coupe d'Europe. C'est à Neuchâtel, Xamax. Centre! Ou peut-être, comme c'est un grand joueur. Attaque de Youssouf Kone, avantage laissé, il y a faute, mais c'est la pause. On se retrouve au coup d'envoi de la seconde période, à tout de suite. Alors qu'à la pause, l'Espig est tenu en échec par Benfica. C'est tout bon pour les Lyonnais qui, même peut-être, s'assurent la première place du groupe avant le match face à Benfica, le déplacement et le match face au Red Bull Leipzig. Ils vont trouver Marcos Asensio. Ah, il est passé Marcos Asensio, c'est magnifique. Le 1-2, Marcos Asensio dans la surface.
Marcos Asensio toujours. Le ballon vers son capitaine Memphis. Et ça fait 3-0. Ah. 63e minute, l'OL a fait le break. L'OL va sûrement s'imposer. Mais attention quand même à rester sérieux. Lopez tranquille. Il avait tout vu. Gardien franco-portugais. Il va dégager sur Serge Gnabry qui va passer en technique. C'est bien joué. Il va trouver Maxwell Cornet avec Moussa Dembélé pour Marcos Asensio. Pour peut-être son premier but depuis son grand retour. Oui, ça fait 4. Marcos Asensio. Ça fait 4. Et pénalty concédé par Oumar Soulet. C'est pas grave, c'est des erreurs de jeunesse. Il y a 4-0, heureusement, pour l'OL. Allez, Lopez peut-être pour s'interposer, pourquoi pas. C'est parti, oui, il s'interpose. En plus, Anthony Lopez, il pourra réconforter Oumar Soulet à la fin du match. Restez concentré. Attention à ne pas concéder un autre pénalty. Le centre dans la surface. Quelle occasion, 84 minutes. On se dirige vers une victoire lyonnaise et une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. Dacosta. Dans la surface, ça fait 4. C'est signé Moussa Dembélé qui va aller vers les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement ici à Xamax. Après ce dégagement, ça sera terminé de la rencontre. L'Olympique lyonnais s'impose dans quelques instants. Voilà, c'est fait, l'OL s'impose, on se retrouve pour la conférence de presse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite pensée pour tous les gens qui sont morts du coronavirus pendant cette période de confinement et, ou qui sont tombés malades. Et un grand merci à nos soignants, pompiers, policiers et gendarmes qui s'occupent, qui font leur boulot à merveille. Et aux professeurs pour l'école qui font aussi un très bon boulot. Allez, je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine, salut.